Salut les amis, c'est Maxou de Pancake Studio. On se retrouve cette semaine pour démarrer une nouvelle petite série de tutos peinture dédiée à Age of Sigmar et plus spécifiquement aux Ossiarchs Bone Reapers. J'ai choisi de vous présenter le schéma de couleur de la Légion Mortis Praetorian, la Légion de Katakros, qui est à mon avis la plus belle pièce de l'armée. Vous pouvez du coup, avec ces tutos peinture, peindre une armée rapidement et efficacement avec un super effet sur une table de jeu, mais vous pouvez aussi piocher dans les différentes petites techniques que je vais vous présenter pour votre propre projet peinture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. J'en profite pour vous indiquer que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description les différents liens pour le faire. Moi, je vous remercie en tout cas par avance, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très vite pour la suite. Salut! On se retrouve les amis du coup pour cette première partie du tutoriel de peinture sur un Ossiarch Bone Reapers. On va traiter aujourd'hui de deux types d'ossements. Le premier type, ça va être des ossements un peu classiques comme on connaît, en blanc cassé, un peu beige. On va aussi travailler un deuxième type d'ossements qui vont être cette fois-ci des ossements un peu brûlés, un peu plus marron, un peu plus pigmentés. On va commencer cette première partie donc en travaillant les ossements clairs, et pour ça je vais venir utiliser une première couche de Skeleton Horde que je vais venir appliquer directement en sortie de peau sur la figurine. Alors je vais pas forcément être très précis sur cette première étape puisque de toute manière on reviendra ensuite travailler les peintures de manière un peu plus classique. L'idée ici étant quand même d'essayer d'éviter au maximum à tout ce qui va être pagne, armure, lance. Et on va du coup utiliser la contraste pour venir créer déjà des premières ombres et lumières sur ces os qu'on viendra affiner ensuite au brossage. Je fais l'application de la contraste et on se retrouve juste après. Voilà les amis, donc la première couche a été posée, on peut voir que les ombres et les lumières commencent déjà à se définir grâce à la contraste. On va accentuer un petit peu les lumières et pour ça on va faire du brossage à sec, alors technique qui est normalement assez peu plébiscitée, mais dans le cadre d'armée où il faut aller relativement vite pour en peindre un maximum, j'ai décidé d'utiliser cette technique et vous allez voir que le rendu n'est pas aussi moche que ce qu'on pourrait croire. On va pour ça faire un premier brossage de Screaming Skull sur la totalité de l'armure. L'idée ici c'est de venir donner un peu plus de lumière aux ossements et puis surtout de lier un petit peu les ombres et les différentes lumières qui ont pu se créer. Pour le brossage à sec, la technique est relativement simple. Je viens déposer un sopalin à côté de ma figurine. J'ai aussi mon pot de peinture qui va être dans les parages.
Ce que je vais faire, c'est que j'ai un tout petit peu humidifié les poils de mon pinceau brosse. Alors vous pouvez voir que mon pinceau brosse n'est pas dans un super état, mais c'est pas grave, hein, c'est pas ce qu'on lui demande, puisque là on cherche pas forcément à être précis, mais à venir appliquer une couleur. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je prends un petit peu de peinture, sur mon pinceau brosse, là comme vous voyez. Et puis bah, je vais venir un petit peu étaler cette peinture, et puis bah, commencer un petit peu à la sécher. On peut utiliser son doigt pour faire un petit brossage pour voir ce que ça donne. Là, on voit que ça marque pas trop, donc c'est pas mal. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire du coup des petits mouvements de haut en bas, toujours des lumières vers les ombres. Et je viens, en fonction de l'endroit où je suis, appuyer mon pinceau pour venir déposer un peu plus de peinture. Voilà, donc le brossage à sec a été effectué, donc vous pouvez voir tout de suite la différence par rapport à tout à l'heure. On a des ossements qui sont bien plus marqués, qui sont bien plus beiges, mais on garde encore les ombres apportées par le Skeleton Horde. L'idée de la deuxième étape, c'est de refaire un brossage à sec, mais cette fois d'utiliser une couleur encore plus claire et de l'appuyer beaucoup moins, ce brossage. Ça va être du Pallid Wish Flesh que je vais venir appliquer vraiment dans les zones de lumière les plus hautes pour vraiment donner encore plus de volume à la pièce. La technique reste la même, je prends de la peinture sur mon pinceau que je viens essuyer sur mon sopalin et je vais venir brosser de haut en bas sur les zones de lumière les plus claires. Voilà, donc le deuxième brossage a été effectué, on voit encore une fois la différence, hein. On voit par exemple que sur le crâne on a des arêtes qui sont très bien marquées et presque blanches, et les ombres qui sont complètement marron, qui sont bien affirmées et bien marquées aussi. Sur tout le reste du squelette, on voit aussi que certaines zones de lumière sont plus claires que d'autres, là c'est vraiment lié au fait qu'on ait brossé la couleur la plus claire, on voit par exemple que cette jambe-là va être plus claire que celle qui est reculée.
Donc c'est vraiment l'effet qui est souhaité, et vous voyez qu'en l'espace de quelques instants, on se retrouve avec, avec des os qui fonctionnent bien, et le rendu est vraiment sympathique. Alors faut imaginer du coup sur une boîte de vin le temps gagné pour faire des os de cette qualité-là. On va pouvoir idéalement utiliser la dernière couleur qu'on a utilisée, donc le palais de Wish Flesh. On va venir pouvoir affiner éventuellement les arêtes. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller affiner ces arêtes uniquement sur des sergents, ou en tout cas des pièces qui sont pas vouées à mourir en un tour ou deux. Après, libre à vous de faire ce choix. À titre personnel, je décide que sur la troupe de base, faire les highlights, c'est pas indispensable. En tout cas, moi, le rendu me plaît comme ça. On va donc pouvoir passer à la deuxième étape. Et donc, pour cette deuxième étape, on va utiliser un autre type de couleur pour traiter des ossements différents. Et on va donc faire des os un petit peu brûlés, un petit peu marron, pour bien contraster avec la clarté de l'armure, hein, qui est presque encore une fois blanc cassé beige. Pour ça, je vais passer une première couche de Dryad Bark que je vais appliquer dans les zones intérieures, hein, en tout cas les zones que j'ai sélectionnées pour venir contraster avec l'armure. Je vais donc peindre le marron au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau de la main qui tient la lance, de la colonne vertébrale et de la cage thoracique, et puis voilà, au niveau des talons et de l'arrière des genoux aussi. Et les coudes. Voilà, donc l'application relativement simple, hein, ça reste un aplat de couleurs de Dryad Bark. On essaie toujours de travailler avec une peinture diluée, mais dans l'ensemble, rien de compliqué. Je vais donc faire la manipulation à la caméra et on se retrouve juste après. Voilà, donc la couche de Dryad Bark a été passée, donc on voit, hein, que tout de suite ça vient donner un peu de contraste avec l'armure blanc cassé. On va lui donner un peu plus de profondeur en mettant un petit lavis d'Agrax Earthshade. Alors l'avantage sur des zones comme ça qui sont toutes petites, c'est qu'on n'a pas forcément besoin en plus de le travailler trop, ce lavis. Donc on va venir l'appliquer comme un gros bourrin. On va le laisser sécher et on va pouvoir commencer par un petit peu des éclaircissements qui se feront en deux étapes. Thank you.
Voilà, donc le lavis a été passé et il est maintenant sec. On va pouvoir commencer à parler des éclaircissements. Pour ça, je vais venir utiliser un marron qui est un peu désaturé, qui s'appelle le Gotterbrand, que je vais venir appliquer en fait pour venir définir un petit peu les zones de lumière que je veux mettre en valeur sur ces petites parties-là. Alors elles sont pas vraiment, c'est pas celles qu'on voit en premier lieu sur la figurine, mais c'est important qu'on les mette en valeur pour qu'on puisse venir donner en fait un peu plus de volume et de lisibilité à la figurine, puisque les os, hein, on a vite fait le tour. Donc l'idée là, c'est de venir travailler aussi ces zones-là pour que au final, quand on regarde la pièce, on sache aussi qu'il y a un peu de boulot qui est fait dessus. Donc pour ça, je vais utiliser du Gotterbrand que je vais venir appliquer de manière diluée sur les zones que je veux mettre en valeur au niveau des lumières. Voilà, donc le premier éclaircissement a été fait, donc on voit que sans trancher trop avec le premier marron, en fait on est juste venu appliquer des zones de lumière à certains endroits, notamment les phalanges des mains, au niveau des arêtes les plus claires sur la colonne vertébrale, et puis on a dessiné les doigts de pied et un petit peu la forme des rotules. On va maintenant passer au deuxième et dernier éclaircissement de ce marron, ce qui mettra un terme à la première partie de ce tuto sur les ossiarques. Pour ça, on va utiliser du Benblade Brown qu'on va venir appliquer en pointe de lumière uniquement sur les zones qu'on a déjà pré-éclaircies et qu'on va encore plus mettre en valeur.
Ok, on a donc terminé le dernier éclaircissement des ossements sombres. On a maintenant un rendu et une base qui est tout à fait saine pour pouvoir continuer la peinture de la figurine. Maintenant, il faut imaginer que sur 80 à 100 squelettes similaires, donc la technique est relativement rapide et le rendu est, je trouve, tout à fait convenable pour ce type de figurine en tout cas. Ça met un terme à la première partie donc du coup du tuto des Ossiarques Bone Reapers. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker, commenter et surtout partager la vidéo autour de vous. Moi, ça m'aide toujours. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite aussi à soutenir la chaîne via Utip ou Tipeee si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, donc qui traitera probablement de la petite armure bleue du monsieur. On se dit à très vite. Salut les amis!